Comment réussir un petit truc, une simple technique qui pourrait vraiment vous amener de grands résultats? Bonjour, mon nom est Slavika Bogdanov, je suis coach, conférencière et auteur et j'ai créé Attractitude, un site pour vous aimer effectivement, mais aussi pour vous aider à vous attirer le meilleur dans tous les aspects de votre vie. Alors, un petit truc pour vous aider justement à réussir, et c'est un truc que j'utilise, mais aussi mon coach de gym, mon coach de sport me le rappelle assez fréquemment, donc je peux avoir de l'humilité à dire que moi aussi, des fois, j'ai besoin de coaching pour me rappeler ce petit détail, ce petit truc, et donc je le partage avec vous également pour vous aider également. Alors, que se passe-t-il dans notre tête? Quand on rate notre coup plusieurs fois et qu'on se trouve devant une situation devant laquelle on a à refaire la même chose, eh bien, automatiquement, il y a une petite pensée dans notre tête qui nous dit: je n'y arriverai pas, je n'y arriverai pas, je ne peux pas faire ça, c'est impossible, j'y arriverai pas, c'est pas possible. Eh bien, cette phrase-là, elle débouche à la circonstance et à la réalité qu'effectivement, nous n'y arrivons pas. Donc, dans mon cas, pour être tout à fait terre à terre et honnête et franche, eh bien, je fais du CrossFit. Donc, c'est une activité sportive qui en demande beaucoup sur le corps, et qui c'est un conditionnement physique de haut niveau. Et donc, parfois, on me demande de lever des poids plus élevés, ou bien de faire des activités à répétition, des mouvements à répétition. Qui me semble hors de mes capacités, que ce soit le poids le mouvement que l'on me demande de faire. Et donc la première chose que je dis, souvent je fais ça et je dis je ne pourrais pas, je ne peux pas faire ça, c'est trop lourd, c'est pas possible, j'y arriverai jamais, c'est bien trop difficile pour moi, c'est au-delà de ce que je suis capable de faire. Et là je sors toutes les excuses possibles et imaginables. Je suis fatiguée, ça a été une longue journée, je trouve toutes les excuses possibles. Et mon coach me rappelle ce que je rappelle aux autres. Il me dit: tout est dans la tête, Slavika, donc tu peux le faire si tu crois que tu peux le faire. Et surprenamment, dès que je me dis que je peux le faire, donc je sais que je suis capable, et là, c'est là où on peut lever ce poids impensable ou faire ces mouvements, ces exercices à répétition que l'on pensait impossible à faire. Eh bien, il en est de même pour vous. Donc, tout se passe tout simplement dans cette petite phrase que vous avez à changer du « je ne peux pas » ou « j'y arriverai pas » ou « j'y arriverai jamais » ou « c'est pas possible » à dire tout simplement l'inverse: oui, je suis capable, oui, j'y arriverai, oui, je peux, oui, je vais le faire, oui, je vais y arriver, oui, je peux le faire, oui, c'est possible. Oui, j'en suis capable, je vais y arriver, oui, c'est possible, oui, j'en suis capable. Et donc, à force de vous répéter cette petite phrase magique, vous allez voir que votre capacité de réaliser les choses que vous pensiez impossibles à faire, eh bien, va se modifier et vous allez effectivement être capable de transformer votre vie et d'arriver à faire des choses que vous pensiez impossibles à faire, tout simplement parce que vous pensiez qu'elles étaient impossibles à faire. Donc c'est cette transformation de l'esprit, cette petite phrase, ces quelques mots qui peuvent avoir une grande influence sur ce que vous pensez être capable de faire ou pas. Donc à chaque fois que vous allez avoir la pensée je ne peux pas, j'en serai jamais capable, c'est pas possible, eh bien transformez cette pensée-là et changez-la tout simplement en disant je suis capable, je peux le faire. Et pour vous donner des exemples, par exemple dans mon cas, c'était de faire 50 pompes en 3 minutes, où là je suis capable, je pense, de faire 50 pompes en 2 minutes 30. C'est de faire 100 squats en 3 minutes. Là, je suis capable de faire 100 squats en 2 minutes 30. Donc, c'est énorme. Et même les levées de poids, la quantité de poids que je suis capable de lever a augmenté. Ça ne veut pas dire que je vais devenir monsieur muscle. Au contraire, c'est un type d'exercice qui permet d'améliorer la densité musculaire sans nécessairement avoir l'air d'Hercule.
Donc voilà, donc dans mon cas, c'était ça, c'était un but que je voulais atteindre cette année, que je suis en train d'atteindre, et j'espère que vous atteindrez vos buts. Comme quoi, un coach, c'est toujours utile, même pour les coachs se font coacher à tous les niveaux. Et donc, si vous voulez exceller dans un domaine de votre vie, je vous invite à venir sur Attractitude et à vous renseigner sur comment vous faire coacher, comment avoir un expert à votre disposition pour vous aider à vous dépasser et à surmonter vos obstacles personnels. Et partagez donc cette vidéo pour faire profiter le plus grand nombre de gens. Et venez voir Attractitude pour ces deux cours, Tout savoir pour tout avoir et reprogrammer votre cerveau pour vous permettre d'aller beaucoup, beaucoup plus loin, beaucoup plus rapidement. Je vous remercie et à très bientôt.